Bonjour mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Des jours avec et des jours sans, mais on fait avec. Aujourd'hui, on est là pour ouvrir une boîte de douce Hachimol. Des petits œufs, tout mignons. De la série 3. Vous voyez, ça. Je me suis hors caméra retirer le plastique, il y a un emballage en plastique, mais je l'ai retiré hors caméra, comme ça ne fait pas trop de bruit pour les petites oreilles. On va découvrir ceci. Voilà, ici c'est une boîte de douce avec un qu'on voit là, un autre qu'on voit ici et les autres à ouvrir. On va ouvrir tout ça. Vous voyez, on retire le petit truc. C'est de la saison 3. Je le trouve trop mignon. J'adore. Alors, on a le petit fascicule qui a changé à rapport aux autres. Je sais pas si. Regardez que c'est mignon. J'adore. Ici, c'est la collection, la saison 3 où on peut les assembler. Je trouve ça chouette. Ça a bien changé. Alors, il y a toujours les raretés. Je ne sais pas si on voit bien avec le. Voici. Alors, on a la savane, la jungle, la ferme, excusez-moi, la rivière, l'océan, le désert et l'eau, je ne sais plus quoi. Alors, on a toujours les petites ailes, les raretés, les communs, les rares, les super rares et les limités, édition limitée. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Voilà. On a des très beaux. Voilà, ils sont tout mignons. Je trouve ça trop beau. Là, c'est. Ça, c'est des jumeaux. On peut avoir des jumeaux aussi dans les œufs maintenant. Pareil. Là, les jumeaux. Et là, c'est les raretés. Je ne sais pas si on voit bien. Mon focus a du mal. Voilà. Les. Voilà. Maintenant, ceux que je préférais, en fait, c'est tous. Parce qu'ils sont trop beaux. Tant que je n'aurai pas de double, moi, ça me va. Voilà. On va déjà ouvrir la boîte. Comme ceci. On l'ouvre. C'est des petites pattes. On l'ouvre comme là. Hop. On a 12 œufs. Deux en moins. Parce qu'ils sont déjà ouverts. Vous voyez? Bon, on va découvrir bien sûr celui-là qui tombe. Il est tout transparent, il est trop mignon. Il est chouette. Vous en pensez quoi? Avec sa petite langue, je sais pas si vous voyez bien là, il y a une petite langue qui passe là. Et les ailes, c'est un commun. Si je me rappelle bien que gris, c'est un commun. On va encore regarder une fois. Gris, c'est commun. Voilà. Alors, on va regarder pour le petit serpent qui est aussi visible. C'est aussi un commun avec sa petite mèche, ses petits yeux ridés comme ça. C'est trop joli. Ils sont magnifiques. Même le. Ils vont vraiment dans les détails. Là, c'est un petit peu. On sent les détails là. C'est joli. Voilà. Du coup, on va nous sourire. 10 œufs. 10 œufs. Voilà les œufs, comment ça se présente. Alors, normalement, si c'est comme les autres, je regarde. Ouais, vous avez vu, s'il faut le montrer avec un autre, on frotte le petit cœur. Vous voyez, il est rose et là, il est mauve. Voilà. Et après, on appuie. C'est pas toujours facile. On appuie. Hop. Oh, je vois déjà la petite tête. Oh, super. Non, c'est pas vrai. On a des jumeaux. Wouhou. La première. Trop chouette. On a des jumeaux. Des jumeaux. C'est trop. Mais c'est trop. C'est des petites. Hibou?
Hibou, des jumeaux, c'est pan du. Les noms, qui mettent des noms bizarres. Enfin, c'est des jumeaux. J'ai des jumeaux pour la première ouverture de la saison 3 HMO. Je suis trop contente. Mais trop. Du coup, on va s'ouvrir un autre. Normalement, les œufs sont de couleur suicide à l'air orange. Et c'est là. Le désert, logiquement. Maintenant, on va voir. On ouvre. Ce serait bien encore des jumeaux. Non, c'est pas un jumeau. C'est un petit. Oh, il est beau. Je sais pas à quoi ça ressemble exactement. Mais il est magnifique. Je regarde si je le trouve. Ah oui. Robin. Enfin, c'est des noms un peu bizarres. Moi, je m'en fous des noms. Je trouve ça trop mignon, ce principal. Ça décore bien. Voilà pour mon deuxième. Allez, on se souffle. On souffle le troisième. On frotte le petit cas. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et puis, on appuie. Ceux-ci sont faciles à ouvrir, je trouve, à part à les précédents que j'ai ouverts. Oh, ouais. Ah, j'ai pas regardé les ailes. Ah, ça, c'est des. Mes doubles. Enfin, mes jumeaux, c'est des rares. C'est des rares. Celui-ci, ma petite. J'ai même pas pensé aux ailes. Un petit, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas c'est quoi. Un petit cheval, un chien. Mais c'est les ailes roses et c'est un rare. Ouais, c'est trop chouette. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien la forme de la queue, là. Mouf. Trop mignon. Trop mignon. Allez, on s'en ouvre un autre. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et puis, on appuie. C'est vous qui allez le voir en premier. C'est un bleu. Qu'est-ce que c'est? Par contre, allez, sort. Il veut pas sortir. Il veut rester dans son lit. C'est un ultra rare. Un ultra rare. Ouais. Des jumeaux. Des jumeaux rares. Puis j'ai un petit cheval. À, je sais pas quoi là. Un aussi un rare. Et maintenant un ultra rare. C'est une super belle ouverture. Excusez-moi. C'est une super belle ouverture. J'aime bien les yeux. C'est trop magnifique. Et en plus, j'ai les deux. Voilà. On voit les deux. Trop magnifique. J'essaye de les mettre. Il y en a, il veut pas tenir du tout. Mes jumeaux, il veut pas tenir. Enfin, soit. Ce sera pour vous montrer à la fin. Allez, on ouvre le cinquième. Il nous en reste cinq à ouvrir. Allez, on est à la moitié. Oh, pourquoi tu ne veux pas t'ouvrir, toi? Viens à moi. Oh, je vois déjà, je ne sais pas si vous voyez en cassant. Hop, on voit ses papattes. Je crois qu'on a des jumeaux encore. Ah non. Oh, encore un rat. Un ultra rare, ultra rare. Un ultra rare. Oh, mais qui chou! Mais qui chou! Je suis désolée si c'est un peu flou, mais j'ai mon truc qui a du mal à se mettre. Avec sa patte un peu en l'air, là, c'est trop. Là, trop les ailes, vous voyez, c'est un rat, un ultra rare. Mais on commence sur. Une super, mais une super ouverture. Vous en pensez quoi? Allez, on ouvre le sixième.
Et il nous en reste 4 après. Ça va trop vite, trop vite, trop vite. Mais j'ai une super belle ouverture. Ça, c'est vrai. Hop. Je suis contente. Allez, on le ressort de sa boîte. Enfin, de son œuf. Et c'est un petit chat. Trop mignon. Et c'est un commun. Il est trop mignon. J'adore. J'adore cette saison. J'adore les Alchemos. Et vous, vous en pensez quoi? Et j'ai vu qu'à Dreamland, je les ai aussi achetés à Dreamland, si ça vous intéresse, pour les plus jeunes. Ça fait un beau petit jouet. Et en plus, c'est fait des surprises. Donc, on ne sait pas c'est quoi, c'est amusant. Allez, on ouvre. Je découvre. On le sort de sa petite teuf. Oh, qu'il est trop chou! Un petit chat qui fait dodo ou qui joue, on dirait qu'il fait dodo. Et c'est un commun. Oh, c'est trop chou! Trop, trop, trop chou! Trop chou! Avec la queue, les pattes. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Allez, je voudrais bien encore un petit jumeau. Allez, qui m'envoie les bons ombres? Ah, envoyez-moi des ombres pour avoir des petits jumeaux. Ah, attention, on ouvre. Hop, on retire le dessus de la coquille. Oh, j'adore la couleur. Trop mignon. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, franchement? Et c'est un commun. Bon, de toute façon, je crois que là, je suis refaite avec deux rares. J'ai deux rares et deux ultra rares. Je crois que... Et des jumeaux. Les jumeaux, c'est le meilleur. Allez, viens. Allez, on s'ouvre l'avant-dernier. En haut. Hop. Ce serait bien des jumeaux. Des jumeaux, des jumeaux. Ah non. Oh, encore un ultra rare. Wouhou. Oh, c'est trop. Il est. J'ai trop de la chance. Un petit canard. Trop, trop. Trop de la chance. Un petit canard. J'ai vraiment de la chance. Franchement, je m'en sors pas mal aujourd'hui cette fois-ci. Trois ultra rares. Deux communs. Ah non. Les communs, j'en ai un peu plus. Allez, pour le dernier. Un double, des jumeaux. Je veux des jumeaux. Des jumeaux. Oh, des jumeaux. Vous voyez? Il est rose. Je retire les. Oh oui, finir en beauté. C'est trop des jumeaux. J'ai des jumeaux. Encore des jumeaux. Des petits renards. J'ai trop de la chance. J'ai trop de la chance. C'est des rares. Des petits jumeaux. J'ai de la chance. Commencer avec des jumeaux et finir avec des jumeaux, ça, c'est une super ouverture. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous tous vous les montrer. Je vais vous les montrer. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Les deux jumeaux du début. Oh, ils tiennent pas vraiment. Enfin, soit. C'est une super belle ouverture. Je suis super, super content. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche si vous avez envie de voir les vidéos à chaque fois que ça sort, de mettre un petit pouce bleu, c'est toujours bien.
J'aime moins le rouge, mais on fait avec. Et un petit commentaire. Et j'essaye de répondre à tous vos commentaires. Allez, je vous dis bonne journée ou bon après-midi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.